Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une brioche feuilletée pêche CBD. Oui, vous pouvez faire juste pêche, verveine, ça va très bien aussi. Simplement, j'avais envie de fraîcheur, de renouveau, vous me connaissez maintenant, j'aime bien tout ce qui change un peu de l'ordinaire. Donc moi, c'est parti, je me suis dit pourquoi pas pêche CBD, c'est parti. Donc on va faire une petite brioche feuilletée, une pépite en fait, un petit truc vraiment simple et bon, tout comme ce que je partage quotidiennement avec vous. Elle va être réalisable en une journée, facile et surtout réalisable à la maison. Là, juste pour vous rendre compte à peu près comment on travaille dans une cuisine où il fait 27-28 degrés en plein été, donc vraiment dans les pires conditions. Et finalement, vous allez voir que le résultat, enfin j'espère parce que là on en est qu'au début, va être top. Donc là, pour cette vidéo, je suis accompagné donc de Fabrice, donc de pas à pas, voilà, qui va m'aiguiller, me conseiller, et puis ça va être notre chef de la vidéo. Voilà, si tu veux te présenter. Merci de ton invitation. Du coup, on va se faire une petite brioche comme on les aime, simple et efficace, avec des petits ingrédients et surtout les techniques de professionnels à la maison, avec des périodes de froid, un beau pétrissage, et vous aurez une recette vraiment de chef à la maison et à portée de main. Exactement. Bon allez, c'est parti. Alors, donc là, c'est parti. On a tous les ingrédients qui sont pesés nickel. Donc super important, ne pas mélanger. Donc on va le faire ensemble. On va ajouter, vous prenez votre petite cuve. L'idéal, c'est quand même de le faire là. Pour cette recette, je vous avoue que un batteur, c'est quand même presque primordial, je dirais. Bon, après, rien n'est impossible, mais c'est quand même conseillé. Donc là, on va ajouter tous les liquides en premier. Donc là, le lait, les œufs. Ça, c'est pour bien que ça. C'est pour que ça se mélange beaucoup plus facilement et sans poussière de farine. Voilà, donc comme vous avez entendu, Fabrice a dit c'est pour pas que ça, pour que ça se mélange bien et sans poussière de farine. Voilà, ensuite on ajoute notre farine. Voilà. Impeccable. Ensuite, super important, ne pas mettre la levure boulangère. Donc ça, vous pouvez en trouver directement en grande surface. Souvent, c'est des petits cubes. Voilà, souvent c'est des petits cubes comme ça. Bon, moi j'avais pas le temps donc j'ai pris la boîte. Mais voilà, souvent vous pouvez acheter juste ça comme ça, ça coûte 50 centimes chez Leclerc, Auchan, pour ne pas les citer. Et c'est nickel. Voilà, c'est pas de la levure chimique en poudre. Donc, super important, ne pas les mettre en contact du sucre ou du sel car c'est un être vivant, c'est un champignon. Sinon, étant donné que c'est fait 80% d'eau, le sel ou le sucre va directement capter l'eau présent dans le champignon. Bon, c'est pas beau à dire, mais dans la levure plutôt. Et du coup, va tout simplement tuer notre petit être vivant, notre champignon. Voilà. Donc là, pour cette recette, on va prendre le crochet et non pas la feuille. Et surtout, ne pas mettre le beurre dès le début. On va tout simplement commencer à pétrir une fois et on viendra le rajouter une fois le mélange entre guillemets homogène et pétri. Alors, donc là, regardez-moi cette belle pâte. Vous voyez, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Donc là, surtout, n'oubliez pas d'ajouter le beurre, ce serait quand même bête, c'est quand même ce qui est le plus gourmand. Donc là, pour ceux qui le souhaitent, c'est 4 minutes donc en petite vitesse, donc 2-3, et ensuite 6 minutes en vitesse plus haute, donc de manière à pouvoir aérer la pâte en soufflage, comme on dit, et voilà, 6 minutes. Donc là, suite à ça, on ajoute le beurre. Donc le beurre, faut pas qu'il soit pommade, faut pas qu'il soit dur, sinon il va mal s'incorporer et vous allez avoir des morceaux. Super important, un beurre, température ambiante, c'est très bien, mais pas fondu. Donc là, voilà, le beurre bien intégré à la pâte. Donc là, on a bien graissé la feuille pour ne pas que ça colle. Surtout, ne mettez pas de farine, faut éviter. Et voilà, et comme ça, vous n'intégrez pas de farine. C'est la petite technique de Fabrice, ne pas ajouter de farine, mais un petit coup de graisse. Et là, regardez comment elle est luisante, belle. Elle a un bon tchatch. Ça, ouais, c'est nickel. Voilà. Donc là, on va pas trop lui donner de force non plus. Juste là, bien la rabattre. Et ensuite, on va la laisser pointer. Regardez. Si ça, c'est pas beau, c'est nickel. Regardez. C'est magnifique. Donc là, on va la laisser tranquillement une petite demi-heure. Hop. Pas que ça sèche non plus. On va la mettre là. Et là, gentiment, vous pouvez aussi la laisser pointer dans une cul-de-poule, mais c'est vrai que là-dedans,
un petit feu guitare, c'est tout aussi bien. Hop, voilà, donc nous voilà une demi-heure après la pousse, enfin la pousse, le pointage plutôt. Donc là, on retire gentiment la petite feuille guitare. Vous voyez, ça se retire nickel grâce à la fameuse petite graisse. Donc là, on va venir la dégazer. Vous voyez, elle a bien gonflé, si on peut dire ça comme ça. Donc là, hop. Vous allez voir, normalement, il va peut-être y avoir des petites bulles qui vont éclater. Vous voyez, juste ici. Hop. On l'entend par rapport au son. Je ne sais pas si on l'entend de votre côté. Mais nous, on entend des bruits de bulles qui explosent. Hop. La prend. Et ensuite après, donc deux solutions. Soit vous voulez la solution rapide, efficace, dans le sens où vous n'avez pas le temps. Là, vous voyez, hop. Vous n'avez pas le temps, donc vous la mettez une heure à moins 20, donc dans votre congèle, moins 18. Ou alors, sinon, si vous avez le temps et vous laissez reposer votre pâte et que vous n'êtes pas pressé et que vous pouvez la manger, enfin vous voulez la manger le lendemain, pas de souci, on la filme, enfin du moins on la met dans la feuille guitare et on la laisse une nuit à 4 degrés. De manière à la laisser se reposer quoi, surtout à bien la refroidir. Voilà, donc là on va la refumer dans la feuille guitare, inutile de la regraisser, c'est déjà bien assez. Hop. Surtout, super important, on ferme bien pour pas qu'il n'y ait un brin d'air qui passe, sinon dès qu'il y a un brin d'air qui passe, vous allez voir, votre pâte va croûter et sécher et bref, on veut pas de ça, donc surtout faire bien attention qu'il y ait un brin d'air. Voilà, et donc là, soit si vous voulez la faire une journée, comme je me répète, une journée, enfin une heure à moins 18, sinon toute la nuit à 4 degrés. Alors le deuxième jour, on va pouvoir travailler une pâte qui est bien fraîche, ça c'est le plus important, surtout quand on va travailler le tourage, il faut toujours travailler des ingrédients bien froids. J'ai pris mon poids de bâton, le bâton faisait 1 kg 125 et du coup je vais prendre un quart du poids du bâton en beurre. La dose de beurre généralement c'est entre un quart et un tiers du poids de bâton. Pour la brioche, étant donné que c'est déjà un produit où il y a pas mal de beurre, on va choisir un quart. Ensuite on va devoir mettre notre détrempe et notre beurre à la même consistance. Ça c'est le plus important, il faut que ça reste froid et que ça ait la même consistance. Donc je vais ramollir un petit peu mon beurre qui vient de sortir du frigo en tapant dessus avec mon rouleau. Voilà. Et on peut se servir d'un papier guitare pour qu'il soit parfaitement rectangulaire. Voilà, comme ça nous créons notre feuille de beurre, on appelle ça, qui va pouvoir s'intégrer parfaitement à notre bâton. Donc ensuite, je vais abaisser mon bâton bien frais. Donc la taille de notre bâton doit représenter le double de la taille du beurre parce que nous allons l'enfermer à l'intérieur. Donc le beurre est bien froid, ma détrempe est bien froide. Et du coup là, est-ce qu'on peut utiliser par exemple un beurre doux plutôt qu'un beurre comme on utilise là de détrempe? Alors ça c'est un beurre spécial tourage, donc c'est un beurre qui est riche en matière grasse, il faut viser au minimum 82% de matière grasse. C'est un beurre qu'on va pouvoir travailler avec des beurres du commerce, il va falloir plutôt travailler avec les beurres AOP Poitou-Charentes, le beurre d'Isigny-Sainte-Mère, c'est des beurres où il va avoir un fort taux de matière grasse, environ 82%, et des acides gras saturés, environ, il me semble, 57 grammes. Donc voilà, ça c'est le plus important, c'est surtout le froid, la rapidité dans la gestuelle. Voilà, je place mon beurre au milieu, je viens fermer mon abaisse. Surtout, je ne fais pas chevaucher les deux pattes. Donc les techniques d'il y a 20 ans avec le carré, c'est fini. Hein. On va toujours là maintenant travailler. Donc tu vois, le but c'est toujours d'avoir une couche de pâte, une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte. Et nous allons superposer toutes ces couches de beurre et ces couches de pâte. Et c'est ce qui nous donnera un feuilletage vraiment nickel. Donc voilà, nous allons abaisser notre bâton à environ 3 mm. Au niveau de la taille, on est sur 67 cm. Vous pouvez aller avec un bâton de ce poids jusqu'à 70. Ma petite astuce, c'est de mettre
un petit peu d'eau sur votre bâton très rapidement pour éviter que ça chauffe, et ça va permettre de coller les feuillets ensemble. Et ensuite nous allons plier un premier pli. Et un troisième pli, ce qui va me donner un tour double. Et donc à ce moment-là, ne jamais se précipiter. Voilà, il faut conserver toujours les épaisseurs de beurre, etc. Et pour ce faire, il faut garder le maximum de froid. Donc là, je vais passer mon bâton 20 minutes au congélateur à moins 18 degrés. Après 20 minutes de détente au froid, on va attaquer le tour simple. Donc généralement en tourage, que ce soit de la brioche ou de la PLF, pâte levée feuilletée, on fait un tour double et un tour simple. Voilà, ça c'est en général. Il y en a certains qui vont faire deux simples, d'autres deux doubles. Voilà, ça c'est ce qui va permettre d'avoir un bon ratio feuilletage croustillant. Donc, le principe du tour simple, si vous voulez, au niveau du temps, un tour simple, une minute. Donc comme tout à l'heure, on doit être à 62, voilà, 62 ça suffit. Surtout pas trop fin pour éviter que le beurre ne s'intègre à la pâte, ça c'est très important. Et ensuite on va plier. Toujours la petite technique avec de l'eau, vous pouvez le faire à la main ou avec un spray. Et là cette fois-ci, on va plier en 3. Et donc là, nous allons attaquer la dernière phase de détente au froid. Donc on peut mettre soit 20 à 30 minutes au congélateur à moins 18, sinon allonger. Moi, je vous conseille d'allonger 30, 45 minutes, 1 heure à 4 degrés pour avoir une détente maximale et pouvoir l'abaisser le plus facilement possible. Du coup, après 20 minutes de congèle et 20 minutes de frigo, la période du frigo, vous pouvez l'allonger jusqu'à plusieurs heures à 4 degrés surtout pour pas que ça démarre. On passe au détaillage, donc là on va abaisser notre pâte à environ 3 mm, entre 3 et 4 mm, voilà. Du coup pour ce qui est des roulés, on a pris des cercles du coup à entremets qu'on est venu graisser avec un petit peu de beurre et qu'on a ajouté du coup du sucre tout autour. Donc vous pouvez prendre également de la cassonade, mais vous pouvez très bien les cuire sans cercle, c'est que nous on veut que ce soit vraiment régulier, top. Mais vous n'êtes pas obligé, voilà, voilà. Donc pour mes roulés, j'ai abaissé à une longueur de 46 cm, voilà, ma largeur c'est pas trop grave, ça va dépendre des rouleaux, et j'ai laminé le bout. Je vais écraser et placer un petit peu d'eau, donc ça c'est la technique exactement la même que pour les pains au raisin, ça permet d'avoir un démarrage parfait, et ensuite je vais enrouler en tirant de manière régulière. Voilà, et le fait d'avoir soudé avec l'eau, mais du coup j'ai ma soudure qui va rester collée. À ce moment-là, étant donné qu'on a beaucoup travaillé notre bâton, on va le placer au congélateur pendant 15 minutes. Voilà, la boulangerie et la viennoiserie, c'est surtout l'aspect entre le travail et le froid. Donc là, on va le bloquer pendant 15 minutes au congélateur en boudin. Et ensuite, on viendra le séparer en tronçons avec un couteau à dents. Après votre petite phase de congélateur, ça c'est une phase qui est très importante, hein. C'est une phase qu'on va faire quasiment toujours avec les pains au raisin. Le seul moment où on ne le fera pas, c'est le jour de l'examen parce que c'est la guerre, il faut se dépêcher. Là, on va se découper des tronçons, donc voilà, soyez réguliers, soit vous équipez d'un mètre, voilà, soit vous équipez d'une bicyclette. Et je vous rappelle que les bicyclettes, c'est juste pour marquer et ce n'est jamais pour découper. C'est pas du tout assez tranchant pour trancher, il faut prendre un couteau, c'est ça, c'est la base. Allez, du coup, on va se découper ça pour voir un peu notre épaisseur. Une fois le façonnage terminé, le détaillage, le terme technique, on va les laisser en après. Donc l'après, c'est la deuxième phase de fermentation, donc la pousse, plus communément appelée. On va le mettre dans le four avec un bol d'eau chaude pour monter la température à environ une trentaine de degrés et on va laisser pousser pendant une heure à une heure et demie, entre 27 et 30 degrés. Voilà, donc là on est prêt à enfourner. Vous voyez, tout à l'heure on avait à peu près 1 cm de chaque côté, donc 2 cm de diamètre en plus, et finalement une fois poussé, ça remplit pile poil. Donc vous voyez, par rapport à l'épaisseur, ça a quand même bien épaissi. Lui, on l'avait blindé
Et regardez, ça a bien monté. Et là, ça commence à faire une sorte de petit cornet. Ça peut l'air ça comme ça. Donc là, ça fait à peu près une bonne demi-heure, 45 minutes que c'est en train de pousser. Après, c'est vrai que dans la pièce, il fait 26 ouais, degrés. Donc ça aide aussi. À côté de ça, on a mis en place, enfin, on a préparé la mise en place, on va dire, des pêches, la déco. Donc on a coupé des quartiers de pêche. Donc pêche jaune, pêche blanche et pêche de vigne. Pêche de vigne, pêche blanche, pêche jaune. Voilà. Hop. Et donc là, c'est parti pour un enfourdement, on va dire... 180 degrés pendant au moins 30 minutes. Ouais. Alors, donc là, c'est parti, on va attaquer l'insert, donc pêche CBD. Vous pouvez très bien changer le CBD et ne pas en mettre du tout. Ou simplement mettre du thym ou de la verveine, enfin, comme vous voulez. Juste, il faudra mettre à hauteur de 1% du poids de la purée. Donc là, de ce côté-ci, on a donc 300 g de purée de fruits. Donc pour ma part, c'est de la pêche blanche. Vous pouvez prendre autre chose, hein, c'est de la framboise, vous avez... Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est comme je vous oblige à rien. Ensuite, à côté de ça, on a du coup de la pectine. Donc là, c'est 1% de pectine. Donc là, pour le coup, j'avais 300 g, donc j'ai mis 3 g. Si vous n'avez pas de pectine chez vous, pectine NH, super important. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas de pectine, vous prenez du Vitpri. Ça, tout le monde en a chez lui. C'est une sorte de pectine, en fait, mais plutôt ménagère, on va dire. Donc par contre, il faudra mettre 3 à 4 fois le poids, donc là pour ma part j'ai mis 3 grammes, donc si j'aurais mis du Vitpri, il aurait fallu prendre 12 grammes par exemple. Super important, pour bien que la pectine s'agglomère à la pêche et qu'elle ne fasse pas de morceaux, il faut bien mélanger le sucre avec la pectine, et comme ça on viendra l'ajouter en pluie. Donc là pour ce qui est du sucre, j'en ai mis, je sais pas, une pincée quoi. Parce que nous, on met du sucre de fruits, du sucre 100%, c'est du fructose en fait, un sucre à indice glycémique faible. Donc là c'est parti, on va commencer à faire chauffer ça tranquillement. La pectine on peut l'ajouter que à partir de 40-50 degrés, sinon ça fait des morceaux. Donc c'est parti. Alors donc là, vous voyez, il commence à avoir des petites bulles, donc là ça veut clairement dire que c'est à plus de 40-50 degrés, à mon avis ça doit être à 80-90, ouais 80 à peu près. Donc là on ajoute la fameuse pectine sucre en pluie petit à petit avec le fouet pour ne pas qu'il y ait deux petits morceaux, et ensuite après on va venir ajouter le CBD pour le faire infuser. Voilà, donc mélangez bien, sinon après vous allez retrouver avec des petits morceaux et c'est franchement pas agréable, c'est pas meilleur que la gélatine hein. une fois pris, voilà, impeccable. Et donc là on va venir ajouter le CBD, la petite recette secrète. Hop. Alors là, l'odeur, je peux vous dire que c'est quelque chose. Voilà, donc là, on va laisser ça gentiment infuser. À côté de ça, on va ajouter du coup le sucre. Donc le sucre, c'est 10% de la masse. De purée. Donc pour ma part normalement c'était 30 grammes. Là étant donné que c'est du sucre avec un pouvoir sucrant x2, du coup j'en ajoutais que 15 grammes. Voilà, ça c'est 15 grammes. Enfin pour moi en tout cas. Hop là. Impeccable. Et donc là on va laisser mijoter tranquillement. Donc moi je le mets en vitesse. En chauffe basse. Et comme ça, ça va pouvoir cuire. Et toute l'humidité présente dans la purée de fruits va pouvoir s'évaporer et ne pas entre guillemets humidifier notre brioche feuilletée. Voilà. Hop. Donc là, 5-10 minutes de bouillon. D'infusion, voilà, exactement. Et ensuite après, il y a deux teams. C'est soit vous prenez une petite passoire et vous venez passer votre purée dans la passoire pour récupérer tout ce qui est petits filaments de CBD. Ou alors. Vous venez directement le mettre dedans. C'est comme vous voulez. C'est comme les framboises. C'est soit vous êtes plutôt team framboise pépin, soit plutôt team framboise tout court, sans pépin. Donc bah, pour ma part, moi, je préfère sans quand même. Parce que sinon, ça a le goût à moitié d'épinards. Ça se coince entre les dents. C'est pas le top quoi. Alors là, c'est parfait. Donc ça fait à peu près une dizaine de minutes que ça mijote. Là, vous pouvez voir, de base, c'est une pêche blanche. Hein. Enfin, c'est de la purée de pêche blanche. Donc là, vous voyez, ça a bien pris la couleur. C'est incroyable. Hop! Donc moi je suis team sans rien, donc on va filtrer ça. Ça, le fouet, on n'a plus besoin. On le dégage. Et là,
Voilà. Et là, vous allez voir, ça va être une tuerie. Et ça va être style, du coup, pour la texture, ça va être style compote. Enfin, compote, confit. Voilà. Donc là, on va venir presser tout ça. Voilà, donc là, vous venez, super important, bien, avec une maryse, écraser le tout, parce que, en fait, c'est là où c'est le plus concentré. Donc, c'est là où il y a le plus de goût. Alors donc là c'est parti, on va cristalliser du coup nos herbes. Donc là si vous avez choisi la menthe, le thym, la verveine, vous pouvez en faire autant. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite tête, donc un petit bout. On va prendre un petit pinceau, inutile de l'inonder, de le noyer. Après le sucre, ça va faire un rendu pas joli. Donc vraiment il faut juste le rendre, on va mettre un tout petit peu. Hop. Ensuite, on prend le sucre, hop. On va faire comme ça. Si on le trempe directement, il va être inondé, pareil. Vous voyez, là déjà, on voit plus trop à quoi ressemble le bout. Donc c'est pour ça, ça sert à rien de trop en mettre. Hop. Voilà. Ensuite, on passe ça au tamis pour retirer l'excédent de sucre. On se met au-dessus du sucre, pas éviter d'en mettre partout. Et ensuite après, on le dépose sur un cul de poule. Donc pour ma part, j'ai mis un cul de poule avec du film. Ça permet de... C'est mieux. Voilà. C'est une petite technique. Voilà. Pourquoi ne pas le mettre directement, je ne sais pas. Je trouve que c'est mieux. Hop. Comme ça, en plus, on peut mieux le récupérer. Si jamais ça colle, hop, vous faites ça comme ça et vous le récupérez. C'est plus pratique, plus simple. Voilà. Hop. Et donc là, on fait pareil. On vient mettre un petit peu de blanc sur les autres têtes. Hop, un petit coup de sucre à droite à gauche. Voilà. Un petit coup de tamis. Voilà. On peut faire ça aussi avec des feuilles de menthe. C'est super bon. Et en plus après, au goût, vous allez voir, ça va être croquant. Parce que du coup, une fois sec, donc là on va attendre une petite dizaine de minutes. Une fois sec, on va soit le passer au four 5-10 minutes ou soit directement avec un sèche-cheveux venir les sécher. Mais bon, le four c'est beaucoup plus rapide et plus régulier. Alors donc là c'est parti, du coup finition de notre fameux roulé. Donc le roulé fait à peu près, on a pris donc des jolis cercles donc de 12 cm de diamètre. Et donc du coup voilà le résultat. Donc là par contre ils sont pesés quand même à 150 grammes à peu près, voire un petit peu plus. Donc vous pouvez les peser à 110 grammes, 120 grammes max pour un diamètre de 12. Donc comme ça au moins ça sera moins serré. Enfin bon, c'est très bien comme ça. Donc là, hop, on fait pareil que l'autre. Hop, on dispatche ça un petit peu à droite à gauche. De manière toujours impaire. Oui, vous l'avez déjà en même temps que moi. Hop. Voilà. Sans trop en faire. Voilà, tout ce qu'on aime, c'est la simplicité, la sobriété et voilà. Donc là, hop. Voilà, et là on vient décorer gracieusement notre magnifique brioche feuilletée. Les petits bouts de compotée de pêche, c'est fait exprès pour que ça tienne entre guillemets. Donc faites-vous plaisir, calez ça. Voilà. Et donc là, on va en mettre un petit peu à droite à gauche. Vous jouez avec les couleurs. Faites-vous plaisir. Libérez votre créativité. Hop. Je vais mettre encore deux. Comme ça. Et... voilà. À droite, à gauche, tac. Et là, on n'oublie pas. Pareil. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre également un petit point de manière à ce que ça colle. Voilà. Et donc là, vous en mettez pareil avec parcimonie. Voilà, donc là, on va en mettre 3 pour celui-ci. Et voilà, donc là, vous avez un joli roulé brioche feuilletée pêche CBD. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est carrément venir garnir au centre votre pêche. Bon, après ça, c'est au goût de chacun. Moi, je préfère juste en parsemer à droite à gauche, ça fait un petit rappel. Parce que de base on fait quand même une brioche.
et non pas une compote à la brioche, mais du coup, voilà le résultat. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu au moins apprendre quelques petites astuces et réussir votre magnifique brioche feuilletée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à les poser ou bien même sur Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi et n'oubliez pas à liker et vous abonner pour me soutenir. J'en profite pour vous proposer ma petite box mensuelle, donc c'est une box de pâtisserie où tous les mois vous allez recevoir tout le matériel nécessaire pour réaliser une recette, donc notamment le mois prochain c'est le Paris-Brest, donc vous recevrez tout pour faire un joli et magnifique Paris-Brest individuel avec bien sûr la recette, un magazine et un court vidéo de 30 à 40 minutes. Voilà, belle journée à vous, je vous mets tout en lien et abonnez-vous.